La mise en page d'un document Word. Une fois j'ai tapé mon texte, je peux organiser mon document en utilisant les performances du menu Mise en page. Je clique sur le menu Mise en page. Je peux ici changer l'orientation. J'ai l'orientation portrait qui est installée par défaut, que je peux modifier en orientation paysage. Voilà, si je zoome, c'est que les feuilles seront orientées horizontalement. C'est utilisé surtout lorsqu'on a de grands tableaux. Je reviens à l'orientation portrait. Voilà. C'est les feuilles verticales. Alors, ce qui délimite la feuille, c'est ce qu'on appelle les marges. Là, j'ai la marge gauche, la marge droite, la marge du bas et la marge du haut. Par défaut, Microsoft vous met des normes de 2,5 cm d'espace de marge. Voyons ici, voilà, c'est à peu près 2,5, c'est plus exactement 2,54 cm pour le haut et le bas, et 3,18, bon, c'est à vous de voir. Ici, si je veux effectuer des mises en page personnalisées, voilà, nous avons une marge de haut de 2,57 cm que je peux réduire ou bien augmenter. Par exemple, je la mets à 1,5, la marge de haut. La marge du bas aussi, je la réduis à 1,5. La marge gauche, je peux l'augmenter à 3 cm. Et la marge de droite aussi à 3 cm. Ça, c'est l'orientation que nous avons vue tout à l'heure. Et puis, nous avons qu'à cliquer sur le bouton OK. Voilà, les marges ont changé. Vous pouvez voir ici, avec la règle, rien qu'en touchant la limite de la règle, vous pouvez augmenter ou diminuer les marges. De la même façon, pour la marge du haut et la marge du bas. Plusieurs autres commandes existent dans le menu Mise en page, mais nous allons les voir dans la leçon des mises en forme de paragraphes.